Attends, une seconde. Mi, oh, 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 oh. Vas-y. On attaque ? Allez, on y va. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage pas mon âme à faire injustice aux autres. Philippe Leroy et Michel Claude ne jouent pas, ils sont Don Juan Scarlatti. J'ai pas oublié. J'ai jamais eu pareil critique depuis. Moi non plus. Mais je me demande pourquoi d'ailleurs. Tu te le demandes? Mais on a joué que des merdes après Don Juan. Oh, on a joué ce qu'on nous a proposé. Bah, t'es pas obligé d'accepter. Oh, bah fallait bien bouffer. Ah, non mais quoi, qu'est-ce qui va pas là? C'est qu'il est jeune encore. Sganara ne peut pas dire ça. Ah. Regarde-nous. Ah ben, oui, évidemment. Ça pourrait être prêt au second degré. Bon, au second degré, au second degré. On se ridiculise, oui. Non, faut adapter. Sinon, c'est Sarah Bernard qui va jouer Juliette avec sa jambe de bois. Alors, je pourrais dire... Bon, je pourrais dire, c'est qu'il n'est plus très jeune. Oui, parfait. Voilà, là, on entre de plein pied dans l'adaptation. Ouais. Son angoisse de ne plus séduire, qu'il pousse à courir après tout ce qu'il porte. Un jupon, ça, c'est universel, non? En jouant cette pièce, on fait une cure de jouvence, mon vieux. Une sorte de psychanalyse, en somme. Ah non, non, pas du tout, non, non. Non, un voyage dans le temps, plutôt. Nous rajeunissons parce que cette pièce nous oblige à oublier le temps qui passe chaque soir pendant 2 heures. C'est toujours ça le prix.